Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, Doudou est en call, donc je parle doucement, je ne vais pas crier. Nous sommes lundi, il est quelle heure? Il est 11h30, je vous prends assez tard parce que ce matin je suis allée faire les courses. Les filles sont chez Nounou, on vient de filmer le retour de course. Promis, cette semaine je ne vous oublie pas. En fait, je vous explique, on l'a filmé la semaine dernière, sauf que malencontreusement j'ai supprimé un fichier. C'était pas le fichier le plus court, non, non, c'était le fichier qui durait 17 minutes. Donc voilà, dans le cululu. Là je vais le monter cet après-midi, comme ça je serai entre guillemets tranquille, et il sera en ligne et je ne risquerai pas de le supprimer. Voilà, on a fait les courses, on a pris pas mal de choses, j'ai pris pas mal de choses. J'en ai eu pour 200 € de course cette semaine, mais j'ai acheté des bouquins pour moi parce que j'avais envie de m'acheter des bouquins pour lire d'autres choses. J'ai acheté également de la crème solaire et on sait très bien que la crème solaire c'est très cher. Voilà, parce que quand on fait nos balades en vélo, etc., etc., voilà. Autre chose, je tiens à le préciser parce que hier on a filmé notre balade à vélo. Ne vous inquiétez pas, les filles portent des casques sur la tête. On a acheté des casques pour les filles. Alors, Kali en avait un parce qu'elle aide à la trottinette, mais il a fallu investir dans un casque pour Aria. Il était hors de question pour moi d'acheter un casque d'occasion parce que je ne sais pas ce qu'il a été, s'il a été tombé. Voilà, je préfère acheter neuf. Oui, parce que j'en ai beaucoup qui m'ont dit oui, fais attention le vélo et tout. Oui, vous inquiétez pas. On a posté une photo sur Instagram et en fait, sur la photo, elles n'avaient pas les masques parce qu'on voulait faire la photo sans les casques. Sans les casques et pas les masques. Je suis traumatisée par le masque, moi. Donc, ne vous inquiétez pas, elles ont bien un masque, un casque chacune. Voilà, il est hors de question qu'on prenne des risques avec ça. Il suffit juste qu'elles tombent de la hauteur du vélo et ça peut créer des gros soucis. Donc, voilà. Je préférerais juste le préciser parce que c'est vrai que j'ai posté la photo sur Instagram et il y en a beaucoup qui m'ont mis dessous. Oui, mais fais attention, elles n'ont pas de casque. Si, elles en ont, juste la photo, on a fait sans casque. Voilà. Bref, on va ranger tout ça. Moi, je pars d'ici une demi-heure pour mes ongles. J'ai rendez-vous à l'institut pour faire mes ongles. J'espère ne pas avoir fait de catastrophe vu que j'ai fait mes ongles toute seule. J'espère. On verra bien. Je verrai avec elle. Je vais lui expliquer hein, que j'ai. De toute façon, je lui avais envoyé un message en lui disant voilà, j'ai fait mes ongles toute seule. Je pense pas qu'il y ait de catastrophe. Mais voilà, elle va pouvoir m'enlever tout ça. Je ne sais pas du tout sur quelle couleur je pars. On verra bien. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu, mais la couleur là du fluo, il a terni un petit peu. Hein. Ouais, il a un petit peu terni. Je verrai si elle n'a pas un fluo dans ces tons-là, mais j'aime bien en fait. Je trouve que ça fait ressortir le bronzage un petit peu. Donc voilà pour tout ça. Voilà. Sinon, il fait beau. C'est un petit peu nuageux, mais il fait beau aujourd'hui. Et puis voilà, les filles sont chez Nounou. Bon, Nounou nous a envoyé des messages. Elle a vite repris. Elles ont vite repris leurs habitudes de jouer avec les jeux de Nounou, etc. Elles sont que toutes les deux chez Nounou. Voilà, il n'y a pas eu. Les autres enfants ne reprennent pas. Je ne sais pas si José n'avait parlé ou pas, mais en fait, les parents sont toujours à la maison. Ils reprennent pas. Et c'est des parents. Je crois que les parents ne travaillent pas. Enfin, je ne suis pas rentrée dans les détails avec la Nounou, mais voilà. Bref, donc voilà. Donc là, elles y vont aujourd'hui, elles y vont jeudi et vendredi. Et c'est ce que j'ai dit à la nounou, s'il y a le moindre souci, s'il y en a un ou une des filles qui ont de la température, on les gardera à la maison. Et puis voilà. Mais en tout cas, la nounou, elle était ravie de les revoir. Kali, elle était au taquet, mais au taquet. Et puis voilà. Et puis la nounou, ça faisait 2 mois qu'elle n'avait pas vu Aria. Alors Kali, oui, elle a grandi, mais Aria encore plus, quoi, à cet âge-là. Enfin, voilà pour tout ça. Voilà. Allez, je range mes courses et après je vais faire mes ongles. J'ai hâte que ce soit bien fait. Parce que moi, je vous avoue que c'est pas. Voilà, c'est un métier hein, de faire ça, hein, franchement. Et puis, j'en ai quand même cassé un, quoi. Là, je pense qu'elle va me mettre une capsule parce qu'il est vraiment très très court celui-là. Sinon, est-ce qu'on en parle de la patate douce de Monsieur Renault? Comment ça, Monsieur Renault? Ah bah c'est la tienne, hein? C'est pas écrit Renault dessus? Ah non mais. Bah, qu'est-ce qu'il y attendez, a? attendez, je vous tourne. Non mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'aimes pas Regardez. Les. On voit rien. Si, si, on voit très bien. Mais Regarde, non. elle atteint le plafond. Mais c'est l'étoile d'araignée. Voilà, super. Quoi? Super. De toute façon, quand j'aurai ma véranda ici, là, il n'y aura plus rien. C'est souple, hein. Si tu veux, tu fais un petit. Je vais faire un petit cœur, je crois, avec du. Ouais, d'accord. Avec ouais. du lierre et tout. Ça t'amuse? Mais t'as de la plante verte. Tu vas pas te plaindre. Ça non, ressemble au mais catapore. Non, bien sûr, je vais pas me plaindre, mais bon. Voilà.
C'est juste la patate. Tu l'as plantée il y a combien de temps? Il y a deux. Il y a pas longtemps. Il y a deux, trois semaines. Deux. C'est un truc de fou, hein. Comme c'est. C'est franchement, oh, mais en dehors, hein. C'est rampant, ça. Si vous voulez un truc qui cache, la patate douce, c'est parfait, hein. Ah ouais, bah normalement, ouais, on n'a jamais de fleurs. Normalement, ça fait des fleurs, mais on n'a jamais de fleurs. Je sais pas si c'est des trucs avec mâle femelle ou... Bah, je sais, mais non. Mâle femelle, les patates douches. Bah, c'est bizarre, mais c'est pour ça. Bah, je voudrais pas dire non, parce qu'en un commentaire, on va me dire, mais si, mais Roger, il a raison, Renaud. Donc, j'ai raison. Bon, allez, il va ranger les courses. Moi, je mets mes chaussures et je suis partie. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, il se passe des choses des fois. Je pensais que j'avais rendez-vous à la PMI aujourd'hui ou demain. Je ne savais plus quel jour parce que j'ai pas noté le rendez-vous. En fait, elles m'ont mis un post-it parce que quand je... Non, mais la dernière fois que je suis allée au rendez-vous, j'avais pas le droit de sortir mon téléphone avec tout ce qui se passe là. Donc, elles m'avaient mis un post-it sur le carnet de santé. Sauf qu'un post-it, bah, c'est volatile, hein, ça s'envole. Et j'avais perdu le post-it. Donc là, ce matin, j'ai appelé et j'ai dit, excusez-moi, mais j'ai rendez-vous quand? Ah bah, ni aujourd'hui, ni demain. Ah, mais vous avez rendez-vous la semaine prochaine! Bon, bah, c'est bon. Voilà, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais dire? On a trouvé un cadenas anti-vol là, pour les vélos parce qu'on n'en avait pas. Donc, on en a trouvé un à Carrefour. Et puis voilà, voilà. Je pense que si ce soir il fait beau, on ira faire un petit tour de vélo avec les filles. Voilà. Là il fait beau là. C'est un peu nuageux mais il fait. Et j'ai mis une lunette parce que j'ai mal à la tête. Mais je pense que j'ai mal à la tête, mais c'est la dent qui doit me. J'ai rendez-vous jeudi, j'ai hâte d'y aller parce que ça me tape un petit peu sur le système cette dent là. Enfin, allez, je vais aller faire mes ongles. Bonjour vous. Oh, t'as de beaux yeux, tu sais. C'est bête que tes oreilles les cachent. Bon, ça y est, je suis rentrée à la maison. Enfin. Mes ongles sont faits. C'est un rose framboise écrasé, je dirais. Je ne sais pas trop comment caractériser. En tout cas, j'étais trop contente de la revoir. Voilà. Je lui ai expliqué mes péripéties avec mes ongles. Et il n'y a pas de souci, je ne les ai pas abîmés et tout. Donc, tant mieux. Elle m'a mis deux capsules parce qu'il y en a deux qui étaient pétées. Mais ça, je le savais. Et voilà. Voilà, voilà, il est 1h, on va manger parce que moi j'ai faim, je sais pas toi mais moi j'ai très faim. À midi, petite salade verte avec des tartines, donc je vais faire une tartine de thon. Tu m'as mis une boîte de thon au frigo? Je t'ai demandé avant de partir. Sérieux? Oui, je le tape ou pas? Non, c'est une blague, je ne tape personne. Bref, alors concombre, je vais faire une salade, une tartine concombre saumon Saint-Moray et une autre avocat thon. Voilà, ça va être très très bon. On va se régaler tout ça avec une petite salade et des petites tomates cerises, ça sera parfait. Je sors tout ça et je vous montre une fois que c'est fait. Bon, vous savez comment faire les tartines, hein. Prenez du pain, vous tartinez et voilà, ça fait une tartine. Mais je suis drôle aujourd'hui, non? Hein? Hein? Ouais, hein, tu veux m'épouser? Deux fois. Deux? Et voilà notre petite tape au midi. Donc, petite tartine Saint-Moray. Concombre, saumon et l'autre avocaton, petite salade. Bon, j'ai rajouté le saumon que j'avais en trop et l'avocat. Moi, je me suis mis des petites tomates, non, des olives noires. Doudou, il aime pas ça, donc je n'en ai pas mis. Et puis voilà, on va se régaler, ça va être trop trop bon. Avec petite salade verte et on va se mater un Grey's Anatomy et ça sera parfait. Parfait, parfait. Bon, nous venons de récupérer les filles chez Nounou. On a une tempête dehors, c'est tout noir. Il y a un sacré vent, ça va nous tomber sur le coin de la gueule. Voilà, le soir où je bosse. Je sais pas si vous avez entendu. Ça va nous tomber sur le coin de la figure. Je sais pas si vous avez entendu. Elle a dit, oh maman, on dit pas ça. Bon, ça va nous tomber sur le coin de la figure. Non, par contre, ouais, le temps... bon, c'était prévu, hein. C'est les 5 glaces, donc c'était prévu qu'il pleuve, qu'il fasse pas beau. Mais alors là, c'est vraiment pas beau, pas beau, hein. Bon, et il faut que je m'attaque au repas de ce soir, parce que ben, ça commence à être lent. On a mangé un bout de pastèque, elle est super bonne. On a acheté de la pastèque à Carrefour ce matin, et elle est vraiment très très bonne, donc tant mieux, je suis ravie. La pastèque, c'est qui tout double, en fait. Des fois, c'est super bon, et des fois, ben, c'est loupé. Mais là... je peux vous dire qu'elle est très très bonne, donc tant mieux. Donc ce soir au menu, j'ai prévu un truc, mais en fait, le poulet. Tu veux manger du poulet? Oui.
J'avais prévu un truc, mais je vais faire autre chose. Non, parce qu'en fait, j'aurai pas le temps de faire cuire mes aubergines et tout comme je veux. Donc, je vais échanger le menu de ce soir avec celui de demain. Voilà, et demain, c'était courgettes façon carbonara. Donc, je vais les faire, il n'y a pas de problème. Donc, je vais sortir des pâtes. Normalement, j'ai ici des spaghettis. Ouais, mais non, c'est pas les bonnes. Moi, je veux des capellini et je les ai achetés ce matin. Parce qu'on adore les petites spaghettis. Donc, je vais cuire les spaghettis. Je vais cuire les courgettes à part. Les courgettes, je vais les faire en tagliatelle avec mon KitchenAid. Parce que j'ai le truc pour couper en tagliatelle. Et puis, je vais faire revenir des lardons. Je vais mettre un petit peu de crème et tout. Comme la carbonara, quoi. Alors, la carbonara, pas la vraie carbonara. Parce que je ne fais pas la vraie carbonara. Parce que je ne sais pas la vraie recette des carbonara. Mais voilà. Sinon, autre chose. Les nouveaux cotons. Les nouveaux tissus coton sont sortis à 16h. Je me suis fait dépouiller, mais quand je vous dis dépouiller, du lot de coton rose. Je pensais vraiment pas que ça allait partir aussi vite et c'est parti en 1h30 de temps. Donc pour ça, merci beaucoup. Je limite les stocks en fait pour pas être débordée et vous faire attendre pendant des jours et des jours vos commandes. Mais là, je pensais pas autant en fait. Vraiment, donc merci beaucoup pour votre confiance. Et si ça vous intéresse, eh ben, les nouveaux cotons, les nouveaux tissus sont sur les créas de bébé. Voilà. Bon, je me suis occupée des courgettes, donc je les ai fait en petites, enfin petites tagliatelles. Non, j'ai fait les plus grosses sur mon truc KitchenAid là. En fait, je sais pas comment ça s'appelle, un découpeur en spirale. Voilà. J'ai plusieurs lames et en fait, j'ai pris le plus épais parce que je voulais que ça soit épais quand même. Parce que les courgettes ça réduit, donc voilà, je voulais que ça soit un petit peu épais quand même. Donc là, je l'ai fait en 2-2, c'est parfait ce truc. Franchement, Doudou m'avait offert ça pour je sais plus quoi d'ailleurs, mais franchement, c'est nickel ce truc. Ça épluche les patates, les pommes aussi, donc c'est super pratique. Les épluchures de courgettes vont aller avec les poules. Voilà, je vais remettre ça dedans. Et puis voilà, je suis en train de faire cuire les spaghettis. Je vais faire revenir les lardons pour les faire cuire un petit peu. Et après, j'ajouterai les courgettes parce que les lardons, vu l'épaisseur des courgettes, ça va mettre beaucoup plus de temps à cuire que les courgettes. Donc voilà, je ne veux pas tout cramer non plus. Hein, c'est bien. Voilà, et puis au dernier moment, bah, j'ajouterai... Alors attendez, je regarde la date des lardons. Oui, au dernier moment, j'ajouterai la crème fraîche. Et puis voilà, on va se régaler. Là, je suis en train de faire cuire les capellini. À chaque fois, je bug. Capellini. 3 minutes de cuisson, donc ça va aller très très vite. Et puis voilà, après, je monterai aider Doudou pour le bain des filles. Et je vais également faire le montage de ce vlog. Parce que, bah, je vous l'ai dit, ce soir, je travaille. Donc voilà, quand je travaille, je fais toujours le montage avant. Sinon, Doudou, il a tout à se taper et je veux pas qu'il se tape tout. Donc voilà, voilà, voilà. Allez, on va faire revenir les petites allumettes. Avec les courgettes, je vais mettre un petit peu d'oignon. Et ça sera très très bon. On va se régaler. Ça va être très très bon ça. Très très bon. J'ai une petite pépite à vous montrer. Je vous explique. Je l'ai reçue ce matin. Il y a pas mal de commandes qui se sont débloquées, je pense, parce que ce matin, on a eu deux colis. Donc là, cette robe-là, ProMode, et on a eu un colis également de la parapharmacie, non, de la pharmacie de Polygone. En fait, moi, j'aime bien passer commande sur la pharmacie Polygone parce que les prix sont nettement moins chers. Mais je vous montrerai ce que j'ai commandé. Bon, c'est le même produit, je l'ai pris juste en plusieurs fois. Et ce matin, dans la boîte, il y avait ce colis de chez ProMode avec cette petite pépite. Magnifique. Donc c'est une petite robe en double gaz. C'est un tissu que j'ai dans mon atelier, que j'utilise pour faire des pépites de chocolat. Non, mais ma robe c'est une pépite. Ça veut dire que c'est une jolie robe. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que la robe de maman elle est jolie? Oui, tu veux la même? Est-ce qu'elle tourne la robe de maman? Wouh. Donc, je sais plus où j'en étais. Bref, c'est une pépite cette robe. Elle est sublime. Donc, c'est un. Non, tire pas sur le tissu. Tire pas sur le tissu. C'est un tissu double gaz avec des petits pois dorés qui sont en relief. Hein. C'est pas. C'est du relief vraiment. Et c'est un tissu que j'ai dans plusieurs couleurs dans mon atelier. Et elle existe en trois couleurs sur ProMode écru, terracotta et noir. Et j'ai.
J'ai commandé les trois couleurs. Voilà, je ne sais pas si je vais garder les trois couleurs, clairement, parce que, en fait, j'arrivais pas à me décider. J'ai reçu qu'une couleur. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. J'ai pas de mots dans la commande. Je ne sais pas. Ça se trouve, je vais être remboursée des autres couleurs. Je ne sais pas du tout. On verra bien si j'ai une autre commande qui arrive dans les prochains jours. En tout cas, elle est très, très belle. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Au niveau de la taille, elle taille grand. Mais au niveau des bras, elle est pas mal. Alors, je sais pas du tout ce que je fais. Si je prends une taille 42, là j'ai pris une taille 44 comme d'hab. Moi j'aime bien. Doudou il m'a dit la même chose. Il me dit tu prends toujours trop grand. Bah oui je sais. Voilà. Mais bon. Mais en tout cas, elle est vraiment sublime. Elle arrive au niveau du genou. Elle est parfaite. Elle est vraiment très très belle. Le décolleté, il est parfait. Ça fait pas trop décolleté. Je pense qu'on va me parler de la transparence de la robe, mais là j'ai un soutien-gorge noir, donc voilà. Soit je mets un soutien-gorge cher, soit j'en mets un rouge, ça se verra beaucoup moins. En tout cas, je suis trop contente. Donc j'espère recevoir les deux autres couleurs, comme ça je me déciderai sur quelle couleur choisir. Mais celle-ci, je la trouve plutôt pas mal cette couleur, parce que je suis un petit peu bronzée. On va me dire beaucoup bronzée. Le vlog d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui me disent « Oh là là, mais des doutes bronzées !» Bah ça ressort pas mal quoi, et je la trouve trop trop belle. Doudou, qu'en penses-tu, mon petit chat? Boudoum. Boudoum, ça veut dire quoi? Boudoum. Je suis tombée des nues. Tombée des nues. Oh, tu t'es fait mal au. Oh. Bref, bon, je vais enlever ma robe avant de continuer à faire le repas, histoire de pas me tâcher. Surtout si je la retourne et si elle, si je la retourne, que je garde pas cette couleur, quoi. Mais voilà. Petite pépite. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et juste, le noir n'est plus dispo. La noire n'est plus dispo. Voilà, il reste juste écru et terracotta si elle vous intéresse. Et moi, je vous conseille de quand même sous-tailler, pas sur-tailler. Voilà, là, moi, habituellement, je mets un 42-44. J'hésitais entre les deux, j'ai pris 44. Un chouïa trop grand. Mais voilà, voilà, voilà. Pas, ne sur-taillez pas trop, quoi. Arrête de bouger, Bérangère. Et voilà les petites spaghettis courgettes façon carbonara. On va se régaler. Toi, tu vas te régaler? Ah bon? T'es sûr de toi? Petit cochon, attention, je t'attrape. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce qu'elle mange, Aria Kali? De la pastèque, Aria. De la pastèque? C'est vous? T'en as partout? T'as la bouche pleine? C'est beau ça. Hein. C'est beau? Oh! Dans le garde-manger. C'est dans la bavette. Rattrape tout. Eh oui! Oh. Est-ce que c'est bon la pastèque? La pastèque est très bonne. Eh ben nos deux os. Croyez-moi. Vaut mieux les avoir en photo, ces enfants, parce que ça mange. Moi, je ne vais pas me plaindre, hein, parce qu'elles pourraient ne rien manger. Ce n'est pas le cas. Elles ont dévoré les nouilles avec les courgettes. Oui, je vais t'en redonner un bout, mon cœur. Et la pastèque, c'est passé tout seul. Voilà, la pastèque de Kali. T'en veux un bout? Je suis tes petits doigts. Dans ta petite, oui, bouche. Mange, mon cœur, mange. Il est des nôtres. Il a vu son père comme les autres. Elle est excitée. Et elle va où, maman? Oh, là. Eh oui. Oui, et demain matin, je vais chercher Tata. Ah non, Tata Soso. Tata Soso. Tata Anita, il faut qu'elle se repose, mon chat. Mais je vais chercher Tata Soso. Soso. Tata Anita. Non, Tata Anita, il faut qu'elle se repose. On va chercher ma reine demain. Oui. Je vais chercher ma soeur demain matin en sortant du boulot. Parce qu'il y a la coiffeuse qui vient à la maison et que la coiffeuse ne veut pas faire plusieurs. Oui. Je sais plus ce que je voulais dire. Dis-moi, je t'écoute. Tata Anita, oui. Tata Anita, il soigne le bidou. Ah, on soigne le bidou, exactement. À Tata Anita, elle soigne son bidou. T'as tout compris, mon cœur. Oui. T'as tout compris. Oui. Bon, allez, on est parti. 8h moins 4, je suis dans les temps. J'ai mis ma veste parce que ça meule, comme dirait le jurassien.
Tire un peu plus fort pour voir. Ne le casse pas, mon petit oiseau, là. En fait, on a des porte-clés avec des petits oiseaux pour raccrocher là. Et c'est des sifflets. T'es en train de cracher dedans, là. Bon, allez. On vous fait des bisous et on vous dit à demain. Au revoir. Au revoir. Ciao, tu dis au revoir. Ouais, ta soeur est partie déjà. On dit au revoir. Ouais. Au revoir. Tu dis au revoir, toi, petit cochonou. Au revoir. À demain. À demain. Il y a de l'ambiance.